photos, interview du prince Harry et de Meghan Markle, première apparition du prince Charles. Le prince Charles, comme Kate Middleton, a l'air impassible lors de sa première apparition publique après l'interview au choc de son fils, le prince Harry. Oprah Winfrey a interviewé le prince Harry et Meghan Markle. Et depuis 48 heures, les images de cet entretien font le tour de la planète. Meghan Markle a fait des révélations assez choquantes lors de cet entretien. Environ 17,1 millions de personnes ont suivi cette conversation appelée Oprah avec Meghan et Harry, un spécial CBS Primetime longue de 2 heures, selon les données préliminaires de Nielsen. Le prince Harry a indiqué qu'ils avaient été coupés financièrement par la famille royale au début de l'année 2020 et que Meghan et lui n'avaient pu se débrouiller que grâce à l'héritage que sa mère lui avait laissé. Ensuite, Meghan Markle a évoqué le traitement qu'elle avait reçu dès son arrivée au sein de la famille royale, faisant de terribles révélations. En effet, elle explique qu'elle a entendu des conversations sur la couleur de peau de son nouveau-né, mais elle avoue également, en larmes, avoir déjà pensé au suicide. De terribles révélations. Le monde entier est partagé entre indignation et tristesse. Il y a ceux qui trouvent que le couple en a trop fait et ceux qui trouvent qu'ils ont été sincères. Depuis la diffusion de cette interview, Kate Middleton et le prince Charles l'ont fait, chacun à leur tour, des apparitions remarquées. Impassibles, ils n'ont rien laissé paraître ni dit aucun mot à ce sujet. Le prince de Galles, âgé de 72 ans, s'est rendu dans un centre de vaccination contre le coronavirus, au nord-ouest de Londres. Et pour découvrir toutes les photos, rendez-vous dans notre diaporama ci-dessus. La rédaction.